Je suis de Loreto, j'avais des cochons, des chèvres. Mais je comptais pas en faire un métier, loin de là. Mais comme ma femme, après, elle a voulu continuer, bon, donc j'ai acheté les brebis, on s'est mis à faire les brebis. Alors là, je suis devenu berger. Je suis descendu en plaine pour connaître cette race de bétail-là qui ne me plaît pas du tout. Alors, mais j'avais la vigne, là. J'avais de la vigne ici et j'ai acheté 80 brebis pour commencer. Alors, j'avais les brebis et j'avais la vigne. Je faisais de la luzerne, je vendais du foin. Enfin, je travaillais un peu. Mais la vigne, après, elle ne m'intéressait plus. J'ai tout arraché et j'ai commencé à augmenter les brebis. Je suis monté à 150, 200, 300, 400, 500. Après, je suis allé en Sardaigne. Comme ici, il n'y avait pas de sélection en Corse, je suis allé acheter des moutons sardes, sélectionnés là-bas. Alors, ça fait que j'avais des brebis sardes. Parce qu'à force de croiser, j'étais venu sardin. C'était un troupeau magnifique. Après, il est venu en Corse. Ils ont toujours des idées, les Corses. Hein? Je le dis bien pour ça, si, qu'ils entendent bien. Des idées, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il fallait faire les brebis corses. On les a faites. Bon, c'était bien. Mais après, d'aller acheter le lait en Sardaigne et le faire venir ici. Alors là, je ne suis plus d'accord. Mais moi, l'affaire, c'est d'avoir sorti, pourquoi, une fois qu'elle était la brebis sarde, élevée ici en Corse, manger ce que les Corses mangent, élevée comme on fait notre élevage, je ne vois pas quelle différence il y avait entre la Corse et la Sardaigne. Bah. Je ne vois pas la différence. Avant de prendre la retraite, non, ils avaient diminué. Mais quand j'ai commencé à faire les brebis, on était une trentaine ici. Il y avait qui étaient chez Pierucci, il y en avait qui étaient chez Germain, chez Louis Gély. Tout le monde n'était pas au même. Mais ça marchait quand même. Donc au départ, ils sont arrivés ici, Roquefort, la société Roquefort, en 1890. Le lait, il était à l'époque 90 centimes. Alors là-bas, pour la Corse, comme il y avait le transport qu'il fallait monter à l'affinage là-haut, ils avaient mis un machin, 10% moins, il était payé 10% moins. Donc là-bas, c'était 90, nous 80. Après, il est monté à 100, nous, c'était 90. C'était pas catastrophique. Mais après, ça a commencé à monter. 1,60, 2,50, 3. Après, ça, il y avait une marge. Les 10%, ça finissait plus, quoi. Et c'est pour ça qu'on a commencé à comprendre. On est monté aux réunions et a commencé à discuter, mais ils ont jamais voulu comprendre. Jamais. S'il paye un centime en moins au berger de là-haut, ici on était payé comme là-haut. Parce que là-bas, il y avait 60 millions de litres, ici on avait 5 millions. Mais ils n'ont jamais voulu rien entendre pour un centime. Seigneur, je les vendais. Et au mois d'août, ils étaient déjà vendus avant qu'ils naissent. À l'époque, ils venaient les bouchers de Bastia, de Vescovato, et ils venaient, ils les retenaient. Donc on se mettait d'accord pour le prix, et après, celui qui me convenait, ben on était... En affaire. Voilà. C'est mes deux fils qui ont pris l'exploitation. Donc je me suis retiré pour eux. Autrement, à 60 ans, j'étais toujours en forme. Mais comme ils aimaient rester ici, eh ben, j'ai donné la place.
Ils m'ont toujours aidé, oui. J'ai jamais eu d'ouvrier, juste un berger. Mais autrement, jamais eu d'ouvrier. C'était eux qui m'ont toujours aidé. Et les filles aussi, d'ailleurs. Elles travaillaient toutes, mais le soir, quand elles sortaient de l'école, il y en avait deux à la bergerie, une à la maison. Qui... Ils ont toujours tout. Ils ont mis la main tous. J'ai 5 enfants, mais tout le monde a mis la main ici pour les brebis. Ben sur l'exploitation, disons que bon, il y a moi, mon frère et mon fils qui donne un coup de main. Ma femme aussi, un petit peu pour la paperasse. Et après, mes deux, surtout au niveau du groupement. Ben, j'étais président jusqu'à l'an dernier du groupement des producteurs. Cette année, je suis toujours au conseil d'administration, mais c'est un de mes collègues qui a repris la présidence. L'interprofession laitière Ovine et Caprine de Corse, elle regroupe les 3 collèges, les laitiers, les fermiers et les apporteurs. Les apporteurs, ce sont ceux qui vendent le lait aux laiteries. Voilà, les fermiers, ce sont ceux qui fabriquent le fromage, et les laiteries, ce sont ceux qui fabriquent le fromage et qui le vendent. Voilà, vous en connaissez certainement quelques-uns. Aspetta, da va falà. Se non da bremi. Guarda questi che non sortino mica. Da un coppuccio questi, eh. Pendant longtemps, on se demandait si Roquefort allait rester ou partir. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu peur parce que l'avenir était un petit peu bouché, quoi. On ne savait pas trop... À une époque, il y avait un petit peu un excédent de lait. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et à un moment donné, la laiterie Roquefort a décidé de faire une grosse laiterie en Corse. Et à partir de ce moment, on a dit que c'était bon, qu'on pouvait se lancer, qu'il n'y avait pas de crainte pour pouvoir produire et écouler notre production. On a doublé le cheptel, on a triplé la production et on recherchait un petit peu l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire bon, être suffisant au niveau alimentation. Donc on a aussi investi dans tout ce qui est fourrage, fenaison, semis. Voilà, donc on a fait de gros investissements là-dedans aussi. Et on s'est mis au courant d'un petit peu de toutes les techniques nouvelles qui pouvaient exister, quoi. On est autosuffisant. On fait juste notre complément au niveau protéines. Alors, ce qu'on complète. On n'est pas assez riche en protéines, donc on fait un complément protéiné pour pouvoir équilibrer notre ration. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu les cuides, bye bye. Ah, merde, ça va être un peu compliqué là. Il faut que quelqu'un reste là, sinon on va s'échapper. Hein. Oui. C'est long, okay. Ah, je veux que reste ici les bio. Ça va être très long. C'est bon. Allez, ça va. Allez. Ça fait rien. Viens me faire sortir cela. Oh, maman. Bien. Ah, on a rien à chou. On a rien à chou, vous dire. Disons, le travail qui a été fait entre la laiterie, notre laiterie et les éleveurs,
Ça, disons que ça a permis à d'autres laiteries, à d'autres éleveurs de vouloir un petit peu la même chose chez eux. Donc c'est pour ça qu'on a décidé il y a 2 ans que le groupement s'élargisse à tous les apporteurs de Haute-Corse. Le groupement, c'est là où les éleveurs se réunissent et ils discutent et décident des stratégies qui est bonne pour eux. Après, ils composent avec les laitiers, ils composent avec les fermiers aussi. Le groupement, ils s'intéressent à la problématique de terrain, hein, donc problématique d'alimentation, problématique d'achat groupé, problématique des agneaux. Voilà, on essaie de répondre aux besoins du terrain du mieux qu'on peut. Après, on est vraiment très proche du terrain, et on est vraiment le poumon, disons, des éleveurs, quoi. Et c'est pour ça qu'on arrive quand même à faire avancer certains dossiers, notamment le dossier de l'abattoir. On avait une grosse problématique au niveau de l'abattage, au niveau de l'abattage et de la commercialisation des animaux. Donc voilà, on a quand même réussi à faire arrêter une enveloppe pour pouvoir avoir un abattoir petit ruminant spécifique, avec un atelier de découpe et toute une organisation pour pouvoir écouler nos agneaux et nos animaux de réforme. La filière viande, elle n'était pas construite. On avait affaire à beaucoup de maquignons qui nous disaient que l'agneau était un sous-produit, qu'il ne fallait pas qu'on s'intéresse à ça, que à nous, c'était le lait qu'il fallait qu'on vise. Donc, bon, ils ont fait... souvent, on les a peut-être trop crus. Et ils ont réussi à nous le faire croire pendant un moment. Et là, l'agneau, il ne vaut plus rien, quoi. Donc, bon, on a besoin aujourd'hui de... On sait que c'est un produit à part entière. On a besoin de le mettre en valeur, quoi. Ma sai qui, ma sai che sono lì, c'è. On est en train aussi de travailler sur un IGP, IGP agneau. Écoutez, on espère voir aboutir ce dossier très 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 vite. Des agneaux de lait comme en Corse, vous allez en trouver nulle part. C'est une carcasse très 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 petite. Hein. C'est ça se tue entre 30 et 45 jours. Et voilà, parce que nous on a besoin de traire derrière. Donc et c'est là où on a un produit déception. Les agneaux de lait ailleurs, ils sont beaucoup plus gros et ils ont pas du tout le même goût que les nôtres, quoi. Je suis sélectionneur, disons, je suis allé à l'UPRA, en race corse, donc voilà, je suis dans le schéma de sélection. Il y a un travail qui a été fait sur la race corse, un travail de sélection, même si par rapport au SARD, on peut dire qu'on est jeune, puisque ça fait 100 ans, et nous ça fait peut-être, je ne sais pas, moi, 30 ans, donc bon, ou 20 ans. On ne peut pas stagner, disons, voilà, pendant longtemps on a stagné aux alentours de 140 litres, c'était la moyenne du schéma de sélection. Il faut vraiment qu'on arrive à atteindre. Il y a les meilleurs, ils font 200, donc il faut qu'on arrive à avoir au moins 200 litres, et si possible, en moyenne, le plus rapidement possible. Quoi. 25, 26, 29, 28, bientôt. Attention, hein. Produire du lait, c'est très technique. Hein. Bon, après, on travaille aussi avec des animaux vivants et qui ne parlent pas et qui ne nous disent pas toujours ce qu'ils ont, donc c'est assez compliqué.
à gérer, mais avec l'interprofession, on a mis en place des conseils sur l'alimentation qui sont financés par France Agrénière, c'est le groupement qui s'en occupe. Il n'y a pas que la production qui est visée. À un moment donné, on essaie de voir aussi comment ne pas faire perdre d'argent à l'éleveur. Parce qu'on a des éleveurs qui, des fois, suralimentent leurs animaux, et comme ils n'arrivent pas à produire, donc au niveau génétique, peut-être c'est un peu juste. Donc on essaie de revoir la ration pour qu'ils ne perdent pas d'argent. Non, mais installé. Tu as fait le parcours d'installation, tu as eu des aides. Pourquoi tu as fait ? Disons qu'on subit beaucoup de choses, mais bon, la liberté, c'est la seule chose qu'on a. C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Et je n'aimerais pas qu'on nous l'enlève. Donc même si on a beaucoup de contraintes. Bon, après, les contraintes, on les a aussi parce qu'on obtient des aides. Donc à partir du moment où on a des aides, c'est normal qu'on ait des contraintes. On critique beaucoup l'Europe, c'est vrai. Bon, l'Europe, puis elle est critiquable, hein, puisque bon, on nous donne des aides qui vont à l'encontre de nos besoins. Nous, on a besoin de produire. Et les aides qu'on nous donne, c'est pour ne pas produire. Donc à un moment donné, il y a quand même une contradiction entre le... la problématique de la Corse et les aides européennes. On a commencé à informatiser la gestion du troupeau. Donc j'ai un logiciel où j'enregistre tous mes agnelages, toutes mes rentrées et sorties d'animaux. Voilà, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai. Cette année, j'arrive à bien l'utiliser. Donc en plus, il est compatible avec le logiciel du contrôle laitier de la Chambre d'agriculture. Donc je pense que ça fait faire des économies à eux et à nous. Alors, disons que mon père, c'est vrai, c'était une des premières machines à traire qui a été installée en Corse. Lorsqu'on a repris l'exploitation, on a changé la machine à traire, puisque bon, et on a mis ce qui était au top la dernière fois. Elle était mécanique, la mienne. La grandeur, c'était la même. 48 postes, mais après, elle était mécanique. Elle a quand même un peu plus de 20 ans, donc bon, une machine à traire de 20 ans, elle est plus au top, surtout que la technique aujourd'hui, ça a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Et avec le troupeau que j'ai, un gros troupeau, disons qu'aujourd'hui, il y a des machines qui vont nous permettre de faire des économies sur l'alimentation. On va avoir un gain de temps puisqu'elle va être un peu plus grande, un peu plus adaptée. Ça s'appelle un robostal. Il y aura un décrochage automatique, donc un gain de temps pour la traite. Les brebis rentrent seules, on n'a plus besoin de les compter. On traite qu'à d'un côté, ça se décroche tout seul, on passe à traire de l'autre côté. Pour les reculer, on était obligé de monter et les faire reculer à la manivelle. Maintenant, on touche un bouton, et recule. Et en plus, je vais prendre le système qui mesure le lait chaque jour. Il y a une pesée de lait qui est journalière. Et la ration est adaptée par rapport à sa production. Les rations, on montait, on tirait le mécanique, ça veut dire, on tirait le levier pour qu'il descende les rations. Maintenant, on touche un bouton. Avec les puces électroniques, on va pouvoir chaque brebis qui arrive... elle va pouvoir avoir, par rapport à son litrage, une ration. C'est-à-dire que les rations ne seront pas identiques comme on le fait aujourd'hui. Une brebis qui produit
un litre 4, elle aura pour produire, elle aura la ration pour produire un litre 4, celle qui en produit que 500, elle aura une ration pour produire que 500 grammes. Bon, ça a changé en bien, quoi. Mais la mienne, elle était mécanique, il fallait tout faire à la main. On est en sous-production, on en manque de lait. Donc, bon, il rentre du lait d'ailleurs. Et vu le contexte et vu le peu d'installation qu'il y a, on imagine mal comment on va pouvoir arrêter un petit peu l'hémorragie du lait qui rentre. Je pense qu'il faut avoir une idée un peu plus large. Et si on se projette, je veux dire, dans 10 ans, hein, les éleveurs, moi je les vois tous, ils sont tous très âgés. Aujourd'hui, on a quand même perdu beaucoup de nos surfaces agricoles. Nos politiques n'ont pas su préserver les espaces agricoles. Ça a tout été construit, hein. Il y a des lotissements, il y a des immeubles. Donc bon, on a de moins en moins de surfaces productives, donc de plus en plus du mal à installer des jeunes. Les générations d'avant n'ont pas su construire pour les jeunes. Je veux dire, un jeune qui va reprendre une exploitation, il n'y a rien à reprendre. Ça n'a pas été capitalisé, donc il n'y a rien à reprendre. Il y a juste un troupeau avec une vieille bâtisse ou une vieille machine à traire. Donc le jeune qui va reprendre, il est obligé d'investir de grosses sommes dans le métier, et ça lui fait un petit peu peur. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont travailler ailleurs, quoi. Donc je pense que s'il y avait un capital à reprendre derrière, peut-être qu'il se poserait la question un petit peu différemment. On avait imaginé de créer... Attention, ce n'est pas un modèle pour tout le monde, mais pour faire face un petit peu aux besoins rapides qui manquent, de créer une dizaine d'exploitations très performantes en capacité de produire 100 ou 150 000 litres. L'idée, c'est de donner un petit peu ces exploitations clés en main à des jeunes ou à des moins jeunes, hein, qui voudraient s'inscrire dans cette démarche, hein, et de les encadrer, de les aider à atteindre des objectifs de production et de les aider à gérer un petit peu... cette exploitation comme une entreprise. Certains pensent que c'est de l'industrialisation. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas confondre une exploitation moderne et performante avec une exploitation industrielle. Hein. Ça reste 150 000 litres, ça reste toujours très... Je veux dire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que je fais moi. Donc c'est ce que font d'autres. Donc bon, c'est pas non plus... C'est des grosses exploitations, mais c'est pas des exploitations industrielles. Hein. On veut aussi des conforts de vie, on veut la voiture, on veut le portable, on veut tout le confort de vie qu'ont les gens. Donc bon, c'est un petit peu normal, hein, je veux dire, mais bon, il faut qu'on puisse se le payer, et pouvoir se le payer, aujourd'hui, on a besoin de produire un peu plus, quoi. Voilà, donc bon, et après, travailler dans de très mauvaises conditions, c'est mauvais pour nous, quoi. Donc, parce qu'à partir d'un certain âge, on n'y arrive plus. L'idée, c'est quand même de garder des bergers en Corse et de garder cette activité. Ça serait dommage, pour moi, ça serait même dommage, ça serait catastrophique si les éleveurs arrivaient à disparaître de Corse, quoi. Et ça fait un petit peu peur, parce que bon... L'union fait la force, on le voit de plus en plus, tout le monde en est conscient. On s'est beaucoup disputé, là, bon, ça va de mieux, et puis on s'est disputé pour rien, puisque bon, les gens avec qui on s'est disputé, là, ça se passe très bien. Donc on arrive à construire des choses avec tous. Voilà, donc je pense que je pense qu'on a un petit peu compris et qu'on a un petit peu tiré les leçons du passé, quoi. Bon, après, c'est toujours fragile, parce que ceux qui arrivent derrière, voilà, ça tient un fil, hein. Ça peut repartir. Ça serait très dommage, parce que là, on n'en a pas besoin, hein. Franchement, on a besoin d'être unis,
On a besoin d'avancer.